Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Que nous apprécions, même pourquoi pas un joueur que nous n'avons pas apprécié, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que ça se passe dans cet exercice que nous apprécions gentiment en début de talk show. On va faire la passe à Missy. Missy, tu penses à qui en ce début d'émission Moi, comme je suis dans le basket africain, avec tout ce qui s'est passé ce week-end, j'ai une pensée pour Wadi Mabika. Ouais. Wadi Mabika, je raconte un peu son histoire. Vas-y. J'ai donc le numéro 4 des Sparks. Le numéro 4 des Sparks, oui. Ouais, les Sparks de Los Angeles. Elle était du titre dans les années 2000. Le titre, elle a joué notamment avec Lisa Leslie. Ouais. Alors, Wadi Mabika, elle a commencé à jouer justement dans les rues. Les rues de Kinshasa, il joue au basket et tout ça. À ce moment-là, elle est repérée par le grand Dikembe Mutombo, son compatriote, qui l'amène aux États-Unis. Il fallait à l'époque demander l'autorisation. Elle avait obtenu l'autorisation de partir aux États-Unis pour jouer au basket. Ouais. Elle arrive aux États-Unis et aux États-Unis, il faut s'acclimater. Et vous ne pouvez pas dire que... je peux pas jouer, moi j'ai eu moins que ci, moins que ça. Mais quand vous êtes dans le jeu, vous jouez très très bien. L'année du titre des Sparks, dans les finales NBA, on est quand même à 17 points. C'était quand même une très bonne joueuse, une bonne coéquipière. C'est vraiment, son histoire est extrêmement méconnue. Ouais. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur les sportives noires. Je parle d'elle et en même temps pour accompagner ce livre, je travaille sur l'idée d'un documentaire. D'accord. Par rapport à elle. Ouais. Et le basket en gros africain, féminin, mais pour l'heure, il faut que je la contacte pour voir. Les choses peuvent se faire, mais je dis, il y a ces joueurs-là qui ont été dans l'histoire, qui sont parfois absents de l'histoire, mais qui ont joué au basket, ont marqué leur époque. Et elle fait partie de ces enfants africains qui, quand ils sont partis à l'étranger, qu'on leur a véritablement donné une chance, mais ils ont brillé. Rappelle son numéro, s'il te plaît, pour les auditeurs. Le numéro 4. Ouais, vas-y, rappelle encore son nom, moi j'ai pas retenu. Hein. Rappelle son nom encore. Wadi Mabika. Voilà, Wadi Mabika. Oui. Numéro 4, elle était là. D'ailleurs, elle avait témoigné quand on avait rendu hommage cette année à Dikembe Mutombo dans le Greg Staggers Award qu'il avait obtenu et tout ça. Ah, ça c'est super. Super à elle. Super à elle. Une chose à dire, c'est qu'elle a une Vas-y, on enchaîne. Juste une dernière chose. Oui. Vous pouvez retrouver sa fondation sur Internet. Elle fait énormément de choses au Congo. Elle est retirée du basket. Big up à elle. Allez, on va enchaîner avant de... Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.